بالتوازي مع لسيليبراسيون تاع اليوم العالمي لمرض السكري اللي يحتفل به العالم كله تحتفل به كذلك بلادنا. نحتفل اليوم بالدورة الثالثة لجائزة سانوفي لمرض السكري. وقع أحداث الجائزة هذه سنة 2014. الهدف الأساسي من الجائزة هذه هو تشجيع الباحثين والأطباء وكل ما هم عاملين في نطاق العناية بمرض السكري بالتشجيع على البحث في هذا الميدان. Donc le diabète est une maladie chronique. Ça commence à un âge jeune et puis ces enfants la grandissent. Jusque-là, quand ils grandissaient, directement on leur donnait une lettre et ils passaient chez les endocrinologues adultes. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Cette période charnière était vécue comme un abandon par les patients de leur équipe pédiatrique. Et donc à la fois ils le vivaient très mal, ils arrêtaient les soins. Souvent ils pouvaient aussi arrêter l'insuline, donc complications, donc hospitalisation, et tout ceci donc était à l'origine de toutes les difficultés de la prise en charge du diabète ultérieur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place ce qu'on appelle des réunions de transition de 2012 à 2017. Tous ceux qui arrivaient à un âge, de transition, à peu près aux alentours de 14 ans, on leur propose une réunion de la transition. Qui assiste à cette réunion? Des médecins, nutritionnistes, secrétaires médicales, infirmières. Pour les diabétiques jeunes, c'était ceux qui les prenaient en charge habituellement. Et il y avait associé à nous l'équipe des adultes. Pareil, avec le même personnel. Et donc, ces patients-là visualisaient déjà, voyaient quelles étaient les personnes qui allaient les prendre en charge. Ils avaient moins peur de partir. Ils se sentaient rassurés. Ils posaient leurs questions. Pourquoi est-ce que je passe en secteur adulte? Qu'est-ce qu'on me demande? Quels sont les objectifs à faire? Comme ils se sentaient rassurés, du coup, la plupart ont eu l'envie de partir spontanément. Et quand ils sont partis, nous, en tant que pédiatres, on leur a fourni ce qu'on appelle le passeport. Juste pour vous donner un exemple, un diabétique qui a 15 ans et qui a eu son diabète à 5 ans, il a 10 ans de diabète. Il est jeune, mais c'est un vieux diabétique. Et ça fait 10 ans qu'il est avec l'équipe pédiatrique. Il a du mal à la lâcher, c'est comme une famille. Beaucoup venaient en pleurant, en se disant « je n'ai pas envie de quitter cette famille dans laquelle j'ai évolué ». Donc le fait d'avoir fait cette réunion de transition, ça a permis un passage plus soft, plus doux. Ils l'acceptaient, on leur donnait ce qu'on appelle le passeport pédiatrique, dans lequel il y a le résumé de leur vie, la maladie, mais aussi comment ils étaient à l'école, leur relation avec leurs parents, avec leur mère, comment ils se comportent vis-à-vis de leur diabète. Et donc ceux qui allaient les recevoir après les connaissaient parfaitement. Et en partant là-bas, ils ont bénéficié de consultations spéciales. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de rencontrer le diabétique l'amputé, le diabétique qui ne voit pas, qui va lui faire peur à cet adolescent, à ce jeune, ils avaient des réunions, des consultations spécifiques dédiées à eux. Donc ils étaient entre jeunes. Du coup, ils se sentaient plus à l'aise. Nous, ce qu'on a fait comme étude, c'est d'avoir étudié leurs caractéristiques cliniques avant et après le passage. Et on s'est rendu compte qu'en fait, d'abord, ils y allaient. Ensuite, ils étaient réguliers en allant à ces consultations. Tertio, leur équilibre métabolique, l'hémoglobine glycémique, elle était améliorée. Donc la maladie était mieux gérée. Sur le plan de la qualité de vie, ils se sentaient mieux. Et quand on leur demande, ils se disaient « nos pédiatres nous ont fait beaucoup de bien ». Mais la plus belle des choses qu'ils nous ont offert aussi, c'est de nous avoir pris par la main pour nous passer en secteur adulte. Cette médecine de la transition, qui est une nouveauté, c'était vraiment pionnier dans les pays arabes, en Afrique du Nord, mais également en Afrique. On a fait une étude qui a essayé d'évaluer la sensibilité, la spécificité de certains biomarqueurs pour prédire l'évolution vers la maladie diabétique avérée chez des obèses, afin de prévenir, d'utiliser des armes thérapeutiques pour prévenir la détérioration du métabolisme glucidique.